bien, salut tout le monde, salut YouTube, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cet épisode 5 évidemment de Alien Isolation. Nous sommes toujours en live, il est tard, il est très très tard, ça ne s'arrête plus. Et vous êtes encore très nombreux à cette heure-ci à regarder en live. N'oubliez pas que c'est sur twitch.tv/mrbboy45 évidemment. Ça dit coucou YouTube dans le chat, ils sont incroyables, quel beau chat nous avons là. Et YouTube, n'hésitez pas à dire un petit coucou sur Twitch quand vous verrez l'article. Comme ça, ça veut dire que vous ferez sûrement un coucou à vous-même. Allez, on est donc parti, on a désactivé ce module, le diagnostic du système. Point très positif, ils ont même traduit ce qu'il y avait sur les écrans. Ça peut paraître con, mais pas tous les jeux font ça. Je suis pour le moment très agréablement surpris de ce jeu. Et très agréablement en kiff aussi sur ce jeu. Et ça a l'air... Bon, là on va passer dans le jeu du chat et de la souris à mon avis avec les robots. Le xénomorphe pour l'instant est plutôt gentil avec nous, il nous attaque pas beaucoup, donc c'est plutôt cool. Mais je sais que ça va sûrement aller crescendo, en tout cas ça a bien été géré. Pas où je vais, putain de merde. L'ambiance est incroyable. Très très fort de leur part. Les bâtards. Je pensais qu'il faisait un tour comme un abruti. L'ambiance est incroyable. Ok. Allô ? Est-ce que quelqu'un me reçoit ? Quelqu'un m'entend ? Nous avons besoin d'aide. Je répète, nous avons besoin d'aide de toute urgence. Okay. C'est bien de désactiver la profondeur de champ. Est-ce que quelqu'un me reçoit ? Vous voyez, comme ça, il n'y a pas à gérer le flou. Nous avons besoin d'aide. Je répète, nous avons besoin d'aide. J'arrive, les biches. Répondez, je vous en prie. Ah, il y a quelqu'un qui a lâché une caisse dans les conduits. Allô ? Est-ce que quelqu'un me reçoit ? J'arrive, bibiche. Nous avons besoin d'aide. Il est mort. Je répète, nous avons. Ah ! Oh putain de ta mère ! Réactiver les communications de Samuels. Boum 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 boum. C'est un. Ah, ok. Et ben voilà. On va garder l'éclairage si ça gêne personne. Des patates dans ma mère. Oh, d'où il sort lui? Fils de... Hop, oh, tonta. Je te connais pas toi. Thank you.
Oh là 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 là. Les gars, j'ai eu le temps d'activer la porte pendant que je prenais des gifles là, sa mère. J'ai eu le temps d'activer la deuxième porte. Je crois, hein. Gros, il mettait des flugis dans la nuque. Attends, quoi? Oh putain, sérieux, les gars, oh! Ça swing. On peut dire que ça swing, hein. Ok. Ouais. Ok. Sébastopol, ici Nina Taylor, administratrice exécutive pour Wayland Yutani. J'accuse réception de votre transmission. Je fais partie d'une équipe chargée de récupérer la boîte noire du Nostromo. Cette boîte noire que vous détenez est d'une importance capitale pour Wayland Yutani. Sous les accords d'entreprise... Ah, la fameuse boîte noire. Nous vous rappelons qu'il vous est interdit d'essayer de lire son contenu, ni de révéler sa présence. Ah, le détecteur fait du bruit. Nous serons bientôt là. Info sûre, ça. Message privé à l'attention du Marshal Waits à suivre. C'est une info sûre sur le détecteur, les gars? Ça sert à quoi d'avoir un détecteur si ça fait du bruit? C'est totalement con. Non mais parce que j'ai tellement cavale mes longs morts. Les gars, j'ai l'impression de jouer à combien de jeux en même temps là? Je comprends rien. Putain de merde. Non, mais c'est pas possible. Samuels, vous êtes vivant. Ici Ripley. Ripley, c'est l'heure, c'est Ripley. On s'inquiétait. On pensait... J'en suis sorti. Où êtes-vous? Nous sommes actuellement dans une gare de transit, à côté du centre de soins. Entendu. Samuels, écoutez-moi. Vous n'êtes pas à l'abri ici. Cet endroit a été barricadé par Sixon. Leurs putains d'androïdes sont en train de faire un massacre. C'est impossible. C'est contraire à toute la programmation de synthétique primaire. Messieurs Samuels, je suppose que Sixon a une conception différente des synthétiques. Et il y a autre chose. Une créature énorme et meurtrière. Ripley, calmez-vous. Quelle créature? Une forme de vie, une espèce inconnue. Une sorte d'organisme alien. C'est extrêmement dangereux. Taylor est... Ripley, Taylor est blessée. Elle a été frappée par des débris lors de la traversée. Quel est son état? Je ne peux pas la déplacer. Il me faut du matériel de soins. Il faut absolument qu'on nettoie et qu'on soigne les blessures. Torrance? La radio vient de nous lâcher. Impossible de contacter Verlaine. On est tout seul. Et merde. D'accord. J'arrive. Je vais vous envoyer une voiture de transit. Wow.
retourné par Sixon Coms pour s'échapper. Un membre du personnel Sixon va vous assister dans les brefs délais. Merde. Quoi? Je suis mort. Je suis déjà mort. Frérot, ils viennent comme des Robocop, mon ref. Aussi que ça soit un malentendu, les gars. Monsieur. Ah ! Oh putain, la musique, ta mère ! Oh non, quelle vie. Aïe. Non, merci. Oh putain. Communication centrale. Accès réservé. Je suis un homme mort. Ouais, je sais pas comment il a su, hein, frérot. Les robots, ils rigolent pas, frère. Vas-y, c'est trop. Oh putain, mais je me chie. Non mais c'est trop les gars, mais qu'est-ce que t'es censé faire? Ils sont tous en état d'alerte. Oh, ils sont beaucoup trop chauds. Je crois que c'est là-bas que je dois aller. Oh non, mais quelle vie, quelle vie. Allez, 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 allez. Oh là là, quelle vie, quelle vie. Quelle vie. On va essayer un nouveau gadget, hein.
Nul à chier. Oh les bâtards! Ah! C'est trop! Ils sont séparés, frère! Ils sont trop intelligents, ces connards! À quel moment, mec? Mais ils sont partout à chaque trappe. C'est trop. On va devoir courir. C'est très embêtant. C'est très embêtant. Eh les robots, comment ils sont énervés. Frérot, on dirait moi quand j'avais pas mon goûter. Casser la gueule. Quelqu'un ? Bon, point de save s'il vous plaît. Ah oui, putain, c'est vrai qu'ici on n'avait pas. Ok, c'est chaud hein, c'est chaud de ouf hein, attendez, sincèrement, est-ce qu'on peut avoir les aliens et l'alien et le robot en même temps? Non, c'est pas possible. C'est possible ou pas? Eh, ces bruits frère hein. Regardez-le, ce fils de pute. Excusez-moi des termes, mais... Putain, je sais pas où je vais, c'est terrible. Attrapez-les tous, Pokémon. Ok, The Marie. Wouh. Vous êtes beaucoup trop fort pour moi, simple citoyen.
Je suis une merde. Allez, s'il vous plaît, les gars. Oh. Ça fait beaucoup là, non? Non. 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 Oh bah ça, je te fais confiance. Oui, c'est, je suis d'accord. Peut-être un malentendu. Je veux vous aider. Votre refus d'obtempérer a été enregistré auprès d'Apollo. Non, mais... Les gars, ils ont fait un jeu, frère. C'est trop. Attendez, c'était l'alien qu'on entendait dans les conduits, là? Vous croyez? Qu'est-ce que vous foutez, bande de broquignoles? Il y a des gens qui sont en train de casser ici! Allô? Venez nous aider! Et le xénomorphe, il veut pas m'aider, non? Je sais pas. Ça serait sympa de se débarrasser... Non, je sais pas, hein, je sais pas, je... Non, mais c'est pas possible. Hughes, ici Ransom. Oh non. Je viens de recevoir votre requête. Oui, j'ai bien des archives du relais de transmission et j'ai effectué quelques décryptages. Je cherche des rapports d'un équipage qui ont été captés par Sébastopol il y a des lustres. Je sais que vous faites des mourons, mais c'est de l'histoire ancienne. J'ai besoin de savoir certains trucs. C'est à propos d'une transmission de données pour la compagnie émise aux abords de Tidus par un vaisseau avant qu'il entame son voyage de retour. Ça casse pas trois pattes à un canard. Ici le capitaine Dallas. J'enregistre mon premier rapport depuis notre voyage retour de notre séjour. Quoi? Sur Tidus. Au-dessus de moi. J'aimerais une réunion avec le responsable livraison. Mon officier scientifique a été remplacé sans aucune raison évoquée. Est très doué, ça ne fait aucun doute. Mais on m'a prévenu à peine deux jours à l'avance et je trouve ça un peu abusé pour ce genre de choses. Je voudrais juste qu'on... Quoi? Après au chargement, une fois l'appel reçu. Dallas, capitaine Fostromo, terminé. C'est bon là, non? C'est beaucoup, hein? Ça fait beaucoup, hein. Wouah! En vrai, je sais pas ce que je préfère entre les robots et l'alien, hein. Les robots, ils mettent une... Ok, d'accord. J'ai compris à quoi ils jouent. C'est bien l'alien. Oh ouais, d'accord. Ok. Ah! Putain! Tiens! Ta mère! Hop. Ok. Moi je crée ici et personne va rien dire ici. Ok.
au-dessus. Il traîne dans la street zère. Il veut me mêler, les gars. Vous le savez aussi bien que moi. Putain, cette torche à plasma, je crois que je l'aurai jamais. Putain, ils sont trop stylés, les robots. Et ils mettent une pression de ouf, les robots. Ils mettent une pression, mon ref. Oh, wow. Cette station dessert Sixon Communication Technologies, Sixon Synthetics et Gemini Exoplanet Solutions. Quoi? Des humains? Je dois aller là? Je dois aller dans la tour Miskine? Miskimed? Le mec a trop de chance. Ah ouais, j'ai eu de la chatte là? En vrai, il m'aurait démonté? Après, moi, je suis un gars sympa, tu vois. Bon. Ah ouais, bah, sérieux? Ça, c'est parce que je suis un monstre. Ok. Je suis choqué du jeu. Il a été trop bien étudié. Les robots, ils mettent une pression de ouf. Ils n'existent pas, les robots, dans les films. On est d'accord. Cette station dessert la maison médicale San Cristobal et Sixon Synthetics. S'ils existent, dans quel film? Allez. C'est toi, Ripley. Oh non, Bibiche. Bichette. Comment va-t-elle? Il lui faut un traitement. Ah là, ça va pas bien. Le centre médical est proche, mais je ne voulais pas la laisser seule. Je vais aller faire un tour, voir ce que je peux trouver. Ah ouais? Restez avec. Putain, je m'en souviens plus du tout. Je vais essayer de réparer l'amplificateur. C'est incroyable. Et si la créature... Je vais regarder Alien. Cachez-vous. Une faille de sécurité non autorisée a été détectée. Tous les transits sont suspendus sur ordre d'Apollo. Ah! Bon, on fait quoi? On achève nos souffrances tout de suite ou pas, les potes? Il n'y a pas de temps. Mais il n'y a pas de temps à perdre. Bah vas-y, toi. Hein. Moi, je te donne mon détecteur, je t'y verrai bien. Alors, attendez. Moi, crois-moi que j'ai du temps à perdre, mon ref. Hein. Pas que ça à foutre. Hein. Connerie, là. Restez avec moi. Bon! Ok. Je pense qu'on va s'arrêter là, les potes. On vient de save. C'est terminé. Veuillez ne pas laisser vos bagages ou votre équipement sans... Je pense qu'on va s'arrêter là, les potes. Ça me paraît pas mal. Étant donné que la save vient juste de se faire... ça m'embêterait d'être coupé dans l'élan et je sens qu'il va se passer des choses terribles. Bon, en tout cas, si on doit récap les deux derniers épisodes, les robots là, trop, les synthétiques là, incroyable. C'est bizarre, mais ça m'a... Alors, je me suis chié dessus 2-3 fois là, d'accord, dans les deux derniers épisodes, mais ils m'ont fait kiffer, frère. Je trouve les méchants trop bien pensés. L'intelligence artificielle carré de ouf pour un jeu qui date de 2014. Genre, ils se séparaient et tout pour essayer de me choper. Honnêtement, c'était très 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 stylé. Xenomorph, on l'a pas encore vu, l'alien. Enfin, on l'a vu, mais on l'a pas vraiment affronté. Il nous met une pression à distance pour l'instant, vu qu'il y avait les robots et tout. Donc, hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. YouTube, n'oubliez pas le j'aime. Ça fait toujours plaisir, évidemment, et le petit commentaire. Je vous fais des bisous. À bientôt.
Et n'oubliez pas de venir en live si vous avez rattrapé tous les épisodes. Les prochains épisodes, ça sera dimanche, évidemment. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. De passagers en état d'ébriété.